So
jeune à une cuisine. Et c'est pas tranquille de pour la gloire de Dieu. Et tu es fidèle. J'aime Dieu. Tu es fidèle. Oh,
Yes, I know that you are the reason. You are the reason.
Thank you.
de nuit.
accompli. Quelqu'un qui est en train de mourir, en train de rendre là, dit tout l'a accompli. C'est une question qui reste posée. Qu'est-ce qui est accompli? C'est la question qui reste posée. Parce que la mort de Jésus est un but très précis. Jésus est monté à la croix. Il est mort dans le but de te sauver. Amen. Sauver ton âme. Amen. Et la Bible éclaire que c'est par ses maîtres aussi que nous sommes guéris. Amen. La mort et la résurrection de Jésus te donnent la victoire sur les œuvres des ténèbres. Amen. Sur les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. La Bible déclare dans Luc 10, verset 19, je vous donne le pouvoir, mon ordre, de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra de lui. C'est ça que ce soir, tu vas prier, condamner les esprits qui contrôlent ta vie. Tu vas condamner les esprits qui se posent à ton arrière. Tu vas condamner l'esprit qui se pose à ta prospérité. Tu vas condamner l'esprit de la sorcellerie. Nous allons tous évoquer le nom du Seigneur. Parce que la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. N'oublie pas que ce soir, Dieu va te guérir. Yes. Une chant particulière de prier sur ce moment. Ouais. Lève la main et commence à prier. Il faut commencer à prier. Je vais te vendre les prières avec le Seigneur par rapport à ta vie. Dis-lui de changer ta vie. Dis que Jésus. Il faut que quelque chose se passe. C'est une ligne dans ta vie. Il faut que quelque chose se passe. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Et que quelque chose se passe. Et que ton mariage soit libéré. Que ton silence soit libéré. Et que ta vie soit libérée. Jésus-Christ est sorti du tombeau de tomber. Jésus, tu es la maladie, on n'a plus raison sur toi. Continue de prier. Jésus, et puis tout le temps, un vêtement du Seigneur sera sauvé. Continue d'avoir le nom du Seigneur. Le nom de Jésus-Christ s'approche de toi.
Thank you.
Merci.
Il est là que par un spectateur. Il est là que par un spectateur. Il est là que par au nom de Jésus. Lâche ton vie. Lâche ton vie. Au nom de Jésus. 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 Elle est venue à Haïti. Elle est venue seule. C'est une prière. C'est une prière, mais le chant est plus cœur. Entre deux mains. Pas dans le monde essentiel, pas dans le monde de Dieu, j'ai rendu ma famille. Mes enfants, mon travail, mon business. C'est une prière qu'on va. Entre demain ce soir, je m'en en vais pas. Je ne sais pas si c'est pas des choses faites. C'est le diable. Yes, 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 yes,
Vous ne venez pas juste pour poser des questions. Si tu es conseillé par mon souverain et là, tu viens. J'ai besoin de ceux dont le souverain est là. Donc, tu lui dis ma foi.
De nuit et c'est diabolique. Le Seigneur aimerait vous délivrer. Détachez-vous, venez que je prie. Ne cherchez pas à me voir après. C'est maintenant. Ce que tu vis là, c'est un problème de sorcellerie. Vous avez des couches de nuit, venez. Ça veut vous uriner la nuit. La nuit, tu fais pipi sur toi. Ah, et toi, venez, on va prier pour toi. C'est la sorcellerie. C'est la honte. Faut laisser la honte. Viens. Justement, c'est comme ça. Ouais, c'est là qu'on ne donne pas sur les paroles. Mais maintenant, même Dieu me met en cœur qui veut finir. C'est maintenant le miracle. C'est pas après. Non, je parle pas de ça. Thank you.
quitte sa vie. De 18h, nous commençons la réception à partir de 18h. Je vous ferai cette faveur. 18h, on aura l'occasion de recevoir. Par ordre d'arrivée, on aura l'occasion. Je ne réponds pas à vos questions, je vous donne mon programme. S'il vous plaît, je vous respecte, je suis en train de donner mon programme. Je n'ai pas envie de répondre à une question. Voilà, je vous donne mon programme. Quand vous venez ici, vous alignez mon programme. Vous voyagez, vous voyagez pas, excusez-moi, ça ne m'intéresse pas. C'est un programme qui a été élaboré. Je suis en train de dire, je ne vais pas recevoir demain. Je suis en train d'établir un programme pour vous écouter. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Mais comme c'est la vie privée des gens, j'ose plus faire sortir ça. Parce qu'avec avec le ministère, on a une certaine maturité. Il faut souvent partager les révélations des personnes en privé. Voilà, parce que oui, je ne suis pas venu me faire voir parce que je ne suis pas une star. Je suis venu vous aider. Donc il y a des choses qu'ils ont envie de dire, mais quand ça concerne votre vie privée, je préfère vous prendre en privé et vous partager ces révélations. Voilà, donc ce frère qui a décidé de vous recevoir demain, à partir de 18h, nous allons organiser ça par ordre d'arrivée. Je vais m'asseoir et puis vous recevoir. D'accord? Donc les questions, je ne réponds pas, s'il vous plaît. Je vais voyager, je n'ai pas là demain, ça ne m'intéresse pas. J'ai quitté la Côte d'Ivoire et depuis je ne me repose pas à cause de vous. Je suis en Suisse, je suis à Lyon, je suis là pour vous aider. Je n'ai même pas de repos. Donc si tu penses que tu vas voyager, que ce n'est pas là, moi ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai mon programme. Le Saint-Esprit me pose un programme. Tout à l'heure pendant que je priais, il me dit reçois demain. C'est ce qu'il veut faire. Je vais recevoir demain. Bon, mon anglais de 6e là, c'est pas trop intéressant, c'est pas l'anglais. Je sais pas si tout le monde peut dire. Attends, 6e. Ben ouais. Non, elle a ses amis du soir. Ah, c'est non, mais non, deux gens là. Non, c'est pour demain. C'est pour demain. Non, la pluie, je me dis pas. Pour demain. Ça sera demain. Mais comme vous avez dit, je vais faire demain. D'accord. Au moins 20 Parce que ton problème est trop sérieux. C'est pas un service. Moi, je suis un peu plus grand. 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 Je suis un peu plus
Oui, elle est au bout. Elle n'est plus loin de la mort. Elle va te sauver. Amen. Elle va te sauver. Don't cry, c'est ça? Wait, c'est ça. Don't cry. Elle sera guérie. C'est quand je suis arrivé à ton niveau, tu m'as dit de recevoir demain. Sinon demain, je dors, je m'en vais, je prépare mon programme. Moi je suis esclave de Dieu. Je suis en train de dormir à 2h du matin, il est proche, je vais travailler. Je suis son esclave. Voilà. Donc je ne suis pas star. Je suis venu faire le travail de Dieu. Je tenais à saluer le comité d'organisation. Je tenais à vous dire un grand chapeau. 7 personnes très efficaces. Ce sont ceux qui ont fait que je suis arrivé pour la tournée européenne 2017. Et ces personnes très dynamiques. Tout ça, quand souvent vous venez, vous ne savez pas comment on a eu la salle. C'est à 2500 euros. Ah oui, ça je vous dis ça déjà. Ils m'ont invité. Ils m'ont payé un bon billet d'avion Air France première classe. C'est pas Aurora. L'avion est Aurora. Vous connaissez, je ne dis pas son nom. Vous connaissez Aurora d'avion. Non, je ne dis pas le nom. L'avion est Aurora. Ils m'ont pas mis dans Aurora d'avion. Ils m'ont mis posé première classe. Ils m'ont bien logé. Et que je sois là. Souvent, quand vous appelez, soyez beaucoup gentils. Parce que comme il y a réception demain, quand vous appelez, soyez gentils. Parce que ces personnes, elles travaillent. Hein. Elles laissent leur boulot. Moi, je ne les paye pas pour ça. C'est ce que vous devez comprendre. Ces personnes, elles travaillent ici. C'est à niveau, chacun travaille, puis le prophète paye. Mais elles travaillent. Elles travaillent, j'en ai boulot. Mais malgré ça, mon coup de fil, maman, vous les insultez. Pourquoi vous ne décrochez pas de le téléphone? C'est pas moi qui les paye. Mais le Seigneur le paye. Oui, mais il y a des gens qui ne sont pas gentils avec le téléphone. Et il faut bien être gentil. Mais justement, c'est pour ça que je parle maintenant. Soyez très gentil. Pour toi avec les gens au téléphone. Voilà, c'est parce que demain à la réception, vous n'êtes pas appelé pour dire non. Ah, pour mes moments. Demain, on reçoit à partir des 18h par la grâce de Dieu. Parce que c'est un moment très important d'échange, d'écoute, d'échange. Et ça, j'aime bien ça dans les moments prophétiques parce que ça aide. Voilà que je vais prier pour vous, il y a des choses que je vais dire, mais ça concerne votre intimité. C'est trop des vies, des choses privées. Et que j'aimerais qu'on se voit en privé pour partager beaucoup de choses. Amen. Amen. Je ne suis pas venu me faire voir. Je préfère qu'on se voit en privé pour qu'on en parle. Jesus va faire ton miracle. Ah, thank you, Jesus. What's it like? Thank you, c'est toi. Okay, thank you. On a négligé en grêle, le temps, brisé les pouces, ça nous a rattrapé. On est allé aux États-Unis, c'est qui est négligé là, je suis né en anglais. Je n'ai pas français, on ne connaît pas français. Et banalise en français, ils comprennent. Il te dit, comprends pas. Il ne sait pas ce que tu as fait. Il y a des choses qu'on ne doit pas négliger dans la vie. Nos parents nous faisaient du bien et on pensait que c'était difficile. On allait briser le coup, sortir de la classe, le prof de l'anglais, on est venu à deux. On a un peu croyé ça. Mais ça nous a rentré. C'est là que tu vas sortir seul parce que tu vas te parler anglais, tu ne sauras pas comment répondre au monsieur. Donc tu oublies de rester dans ta résidence, tranquille. Tout ton ordi, parler français, je ne parle français. Jésus va vous guérir, amen. Il est venu avec nous. Il faut que vous veniez demain parce qu'il y a un esprit de sorcier dans votre vie. Il faut que vous veniez demain
et qu'on chasse cet esprit-là, Satan est détruit autour de toi. Et c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. C'est pas dit. Puis je dirais comme ça, si j'étais divorcé aux arrêts, en tant que maréchal. Voilà. À 18h demain. Quand nous la porte, je rentre. Merci papa. On va annuler ça. Merci papa. Tu es venu à 16h, Fantane. Parce qu'on dit que c'est 18h. C'est pas notre heure. Vous bénissez. Non, non, ici on dit 18h. À 18h, on ouvre. Oui, je sais. Mais moi, j'attends devant la porte. On va enlever ça, cette maladie-là, comme ça, les gens seront à l'aise. Merci, papa. La famille est faite tomber tout à l'heure, Lélina. C'est Paris, tout à l'heure, parler tout subitement. J'ai réfléchi et regardé, oui, c'est Paris. Oh, ouais, ils se sont toujours bizarres. Ils sont toujours bizarres. Nous allons passer tout à l'heure au 28. Commencez déjà à vous apprêter. En principe, normalement, la journée d'hier était consacrée à des familles. On devait aller dans les familles, toucher les familles. Et donc Dieu m'a mis à cœur de vous recevoir demain. Ceux qui veulent des interventions dans les familles, voyez le comité d'organisation, nous allons organiser ça et arriver chez vous. Voilà, vous appelez, vous voulez une intervention, un programme de famille, nous allons agir. Ici, là, vous avez tout agi comme spectateur. Vous regardez, vous ne participez pas. Vous ne voulez pas faire d'effort. Pourquoi ce rang, là hein? Non, j'ai dit 3, j'ai dit 4. Moi, je précise près de 4. C'est 4 personnes. Quels sont ceux qui ont l'insuffisance urinaire parmi vous? Non, c'est ce qu'il a dit. On a une insuffisance urinaire. Ne touchez pas. Hein?